Joe Biden, le président actuel des États-Unis, a récemment annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un second mandat à la présidence. Cette décision marque un tournant majeur dans la course à la présidentielle américaine et ouvre la voie à de nombreux scénarios politiques. Avec le retrait de Biden, le Parti démocrate doit désormais trouver un candidat capable de maintenir l'unité du parti et de séduire les électeurs lors des prochaines élections. Plusieurs figures de proue des démocrates pourraient se lancer dans la course, parmi lesquelles la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire au transport Pete Buttigieg et la sénatrice Elizabeth Warren. Chaque potentiel candidat apportera ses propres idées et priorités, cherchant à convaincre les électeurs de leur vision pour l'avenir du pays. Du côté républicain, l'annonce de Biden pourrait également modifier les stratégies de campagne. Les candidats potentiels, comme l'ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ou encore l'ancien vice-président Mike Pence, ajusteront leurs discours et positions pour capitaliser sur cette nouvelle dynamique. Les électeurs américains seront confrontés à un choix crucial, impliquant des débats intenses sur des questions telles que l'économie, le changement climatique, les droits civiques et la politique étrangère.